Je pense à tous ces gens avec beaucoup trop d'ego qui cracheront sur les autres, vendront leur père pour toucher le magot. C'est personne de tous les jours pour qui la morale, le respect peut être bafoué sans hésiter. Message de haine pour les Français. Cet abruti dans sa voiture qui vient de franchir la limite, qui te colle comme pas permis, pensant te faire aller plus vite. Mais dans le prochain virage, il y aura freinage d'urgence. Le suiveur s'en sortira, le suivi n'aura pas cette chance. Et ce patron qui profite d'une employée dans la détresse, comme c'est lui qui signe ses chèques, il pense pouvoir toucher ses fesses. Elle se taira, ne dira rien, ses quatre enfants attendent qu'elle rentre pour les élever et les nourrir. Elle travaillera la peur au ventre, et cette aigrie dont les collègues sont ses copines, qui détruira toute une famille à l'aide de rumeurs assassines. Cette charognarde n'hésitera pas à user diffamation. Elle pratique dans son bureau sans vergogne, humiliation. Et ce bourri aux 8 enfants qui dépense tout dans l'alcool, imbibé dans sa merco, il dépose son fils à l'école pendant qu'il ira jouer aux cartes dans un costard fait sur mesure. Son enfant subira les moqueries pour les trous dans ses chaussures. Ces débiles profonds qui n'ont toujours pas compris que oui, la pollution est un fléau pour nos vies. Ça les fait bien marrer, les discours à la con des écolos. Sans remords dans la forêt, ils jetteront leur sac McDo. Ils me font péter les plombs, mais elle ne fait que grandir. Je dois écouter la raison, ne pas laisser la colère agir. Bien trop souvent, mon sang bouillonne, je reste calme, je ne dis rien. Mes valeurs depuis l'enfance me disent respecte ton prochain. Ils me font péter les plombs, mais elle ne fait que grandir. Je dois écouter la raison, ne pas laisser la colère agir. Bien trop souvent, mon sang bouillonne, je reste calme, je ne dis rien. Mes valeurs depuis l'enfance me disent respecte ton prochain. Tous ces types qui dans la rue te toisent du regard, je la provoque. Bien trop nombreux, tu es tout seul. S'ils te chopent, tu vas au bloc. Et lorsqu'ils croisent une femme, l'homme des cavernes prend le dessus. Harcèlement, elle font en larmes et ils insistent, la mettent à nu. La méchanceté gratuite pour frapper où ça fait mal. Les coups physiques, la vanité et la violence verbale. La mutilation, la délation, la suspicion, la soumission. L'irrespect de l'être vivant, toutes ses formes et sa dégradation. Injures, blessures, viols et maltraitance. Vous ne m'aurez jamais, même à l'usure, pouvez me faire confiance. Vos petits jeux, votre petit monde, votre petitesse générale. Je lasse des innocents dans votre stupidité ancestrale. Un jour ou l'autre, je vous assure qu'un équilibre se fera. Et je vous souhaite de vous élever dans ce qui pour vous sera une chance de s'excuser, de s'expliquer, de réparer. J'observerai alors qui parviendra à pardonner. La plus grande des tolérances est d'accepter l'intolérance que vous inspirez est tellement rance à travers vos incohérences. Politiciens, hommes de pouvoir en haut de votre échelle sociale, n'oubliez pas que tôt ou tard vous paierez pour vos scandales. Et vous qui êtes en bas, qui écrasez tous vos semblables pour augmenter votre capital, pensant devenir des notables, vous n'avez toujours pas compris que dans cette vie, pour avancer, il vaut mieux tendre la main plutôt que de tout piétiner.